C'est maintenant. Ouais, tu sais comment on dit ça. Non, c'est pas où il est. Ah, il est là. Ok. Je viens parler des élus et de l'avenir des collectivités territoriales. Est-ce qu'Emmanuel Macron a commis une faute, monsieur le Premier ministre? C'est pas bon. D'abord, c'était sans doute l'idée de faire une démonstration de force, mais le résultat, c'est plutôt un aveu de faiblesse, parce que s'il ne devait y avoir que 200 députés qui soutenaient la politique du gouvernement, ça veut dire qu'elle ne serait pas majoritaire. Mais je crois qu'il faut dépasser ça. Parce qu'au fond, ces derniers jours, on a plutôt été dans une logique de rapport de force, justement, qui étouffe le débat. On nous dit, ben, c'est soit l'apocalypse, c'est-à-dire le retour de la droite, soit la soumission. Moi, je souhaite qu'il y ait le débat. Et La Rochelle, c'est le lieu du débat par excellence. Il faut qu'on débatte de la politique économique qui doit être menée dans ce pays. Est-ce qu'il faut aller aussi vite vers les 3%? Nous, on prône moins de rapidité. Il faut être sérieux, mais...